J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre ? Voyager était incroyablement... Je suis revenue à Poudlard. Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que je devrais m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Attrapez tous un balai. Que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés, ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été.
En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites « debout » d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout ! Merci. Bien, c'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien ! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Si seulement j'avais mon propre balai. Ces balais sont la propriété de l'école. Il va falloir que je m'habitue. Je veux les revoir en un seul morceau. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue! Bonjour! Belle journée pour voler! Ça n'a pas été trop dur. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Ah. Ouh. J'ai réussi. Vous avez vu un peu ? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. Tu as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On s'est croisés dans la salle commune. Je suis Everett Clopton. Alors, tu veux venir t'amuser avec moi en altitude? Tu as piqué ma curiosité. Tu pourrais m'en dire plus? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Oh, comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça! Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Le coup de sifflet.
Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici! Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Ce détour-là valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wicks chez Beauballet à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Si j'avais les moyens de m'offrir le nouvel escarbille de chez Beauballet, je n'utiliserais pas ce vieux coucou. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Ici. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet, content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Réveillon. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au Bafboule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre.
Je crois avoir vu Ominis en cours de potion ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Compris. Mais au fait, pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ce sort a l'air dangereux. On croirait entendre Ominis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles, en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée. Par exemple. Confringo! Bravo! Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà! Je crois que j'ai compris. Bravo! Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie qui m'intéresse. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolée pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi quand tu iras, et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer une nouvelle élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood? Il ne t'a pas du tout prise pour quelqu'un d'autre après Ollar. Rien ne t'échappe. Voilà ce que je peux te dire. Rockwood et Ranrock essaient de récupérer quelque chose. Ils pensent que je l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts? Quand est-ce que tu y es allé? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un port au loin. Un port au loin? Vers Gringotts? C'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi,
Tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Réveillio. Salut, Sébastien. Attends... Toi, là. Je t'entends. Oh, bonjour, Ominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potion et de botanique. Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley, et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? Cette salle s'appelle la crypte? Ah! J'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas! Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Ominis. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Voudra bien m'aider? Jamais je n'en tiendrai un. Pourquoi pas? Je trouve ça plutôt agréable d'ouvrir un vieux journal pour se remémorer. Réveillon. Évidemment, le garder en lieu sûr. C'est alors que les loups-garous ont rejoint les gobelins dans leur révolte. Lors de la révolte des gobelins ? Oui. Finalement, c'est Albert Vettel qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Je veux encourager le garçon qui affirme... C'est pas un mensonge, Peeves. C'était Albert Boot. Très osé, cette attaque. Le ministre était... Professeur Weasley? Il vaudrait mieux éviter d'être vu. Mmh.
Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Allons-y. Après vous, professeur. Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves dont sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chic ? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Revelio. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Superbe! Maintenant, lancez Evanesco sur ses chaises. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Revelio. Par Merlin, où se trouve cet elfe? Oui, professeur. Revelio. Oh, bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Attention, arrêtez cette personne. Revelio. Mais non, pas... Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille.
Velio. Oh, il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Qu'est-ce que c'était ? C'était un vif d'or ? Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Hé, attention ! Hein ? Oh, vous êtes là ! Attendez ici, Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chic était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chic est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chic est ravi de vous rencontrer. Chic est mon ami depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chic. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chic, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chic a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potion. Ils en ont trouvé la salle remplie.
Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Je n'ai rien à identifier, du moins, pas pour l'instant. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation ? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Thank you.
travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions après au lard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Vous pouvez m'en dire davantage sur Chick ? Il est à Poudlard depuis plus longtemps que moi et semble en connaître tous les recoins et mystères. Nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève. Chick bénéficie de beaucoup d'expériences, acquises à la fois à Poudlard et à son précédent poste. Je laisserai Chick vous en dire plus quand il se sentira prêt, mais encore une fois, vous devriez suivre ses conseils. Est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe ? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer. Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Mais la salle sur demande possède ses propres règles. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. J'aimerais commencer la leçon suivante. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'ai tout ce que vous aviez demandé, professeur. Bien. La leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol.
Passons à la suite. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur ? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe.
Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Essayez d'utiliser le sortilège sur le sol ou ce balcon. J'aurais bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick, vous allez apprécier. Venez parler à Chick quand vous voudrez commencer. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr! Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Je voudrais que la salle donne l'impression d'être éclairée par la lune. Ça semble parfait. Cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Excellent.